Bonjour les amis, Paname vous emmène aujourd'hui dans le 13e arrondissement, du côté du boulevard Vincent Auriol. C'est une longue artère surmontée par la ligne 6 du métro. Et vous allez voir qu'une portion comprise entre la place d'Italie et la Seine offre un panorama unique au monde, un véritable musée du street art à ciel ouvert qui s'étend sur près de 2 km. Nous allons prendre de la hauteur pour découvrir ce musée, mais nous allons aussi prendre le pouls de ce quartier dynamique et solidaire. Allez, on est parti les amis, on découvre ce quartier. Cette semaine dans Paname, Yvan nous emmène à la découverte d'un restaurant qui a l'air posé comme un ovni. Mon frère, il a inventé un super boudin noir antillé avec des goûts particuliers. Yvan se rendra ensuite dans une association qui accompagne les personnes dans leur recherche d'emploi, dans leur démarche. L'idée d'aller faire un entretien comme ça, ça change quelque chose dans toi. J'ai l'impression d'être plus apprêtée pour aller passer un entretien. Frédéric Gersal nous fait découvrir la Station F, un véritable incubateur à la française. Un outil unique au monde, parce que c'est le plus gros incubateur au monde. Yvan nous fait prendre de la hauteur sur les toits du quartier pour y retrouver Mehdi, le fondateur d'un musée à ciel ouvert. Là, je connais très très bien cette œuvre-là. Tout à fait. Et aujourd'hui, cette toile est à l'Élysée. Mais tout de suite, Yvan retrouve Véronique dans les ateliers du musée Grévin où sont réalisées toutes les statues de cire. Bonjour Yvan. Mais qu'est-ce que vous faites ici, Véronique? Bienvenue. Merci. Écoutez, là, vous êtes dans le saint des saints de la création des personnages du musée Grévin, mais pas que. Ici, on est dans quel atelier, là? Nous sommes dans l'atelier costume. On habille les personnalités, bien évidemment, qui, en général, d'ailleurs, offrent une tenue pour leur personnage. Mais là, on fait un peu le chemin à l'envers, parce que normalement, c'est la dernière étape, le costume. Tout démarre d'un rendez-vous avec la personnalité. Lors de ce rendez-vous, on prend beaucoup de photos. On scanne les personnes, on vérifie la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la barbe, des sourcils. On prend bien sûr les mesures. Là, en ce moment, vous travaillez sur quelle personnalité? Cyril Lignac. On va aller le voir alors. Éric Saint-Chaffray. Enchanté. Un de nos artistes sculpteurs. Et là, vous travaillez d'après photo? Je travaille, oui, tout à fait. On travaille d'après photo. Une fois qu'on a rencontré la personnalité. Mais expliquez-moi, comment ça se passe exactement? On fait un moulage du visage? Pour Grévin, il n'y a jamais eu de moulage de visage. C'est toujours le sculpteur qui réalise le portrait. Et aujourd'hui, la technologie nous permet effectivement de faire une acquisition 3D tête et corps, ce qui nous fait aller un peu plus loin quand même. Qu'est-ce qu'on attendait de Cyril Lignac? Qu'est-ce qu'on voulait montrer de lui, là? Ça se fait en bonne intelligence avec lui. Enfin, lui participe à ça aussi. Et en fait, on cherche quelque chose qui soit authentique. Donc, évidemment, c'est en rapport avec son activité. Là, oui, c'était le personnage public, quand même. Là. Personnage public, dans un contexte donné, là, un contexte de cuisine, en fait, où il y a d'autres chefs. Et lui présente une pâtisserie. On réfléchit un peu quand même avant de rencontrer la personnalité. Hein. Donc lors du rendez-vous, on lui dit, voilà, écoutez, nous, on vous imagine bien comme ci, comme ça, jusqu'à, voilà, on fige une expression de visage et une attitude, et là, on prend le scan et les photos. Quand on regarde notre ami Cyril Lignac, là, moi, je vois une expression que je connais vraiment de lui, le personnage de la télévision, avec ce sourire, ce côté un petit peu moqueur, enfin, voilà, ça, c'est Cyril Lignac. C'est pas le Cyril Lignac de sa vie perso. Ça, vous l'écartez complètement ou vous êtes tout le temps comme ça? Écoutez, franchement, il semble être très, très, très comme ça, même dans la vraie vie. C'est quelqu'un qui est joyeux. Le but, c'est de retrouver quand même l'image qui est connue de tout le monde. C'est ça, voilà. C'est combien d'heures de travail pour un personnage comme celui-ci? C'est un travail qui s'étale quand même sur 4 à 6 mois. Oui. On n'imagine pas toutes les étapes. C'est incroyable. On pense que c'est tout simple. Il suffit d'une photo pour se retrouver au musée Grévin. En tout cas, bravo, parce que là, tout de suite, on le reconnaît. Ça fonctionne, mais lors de premier regard. Et nous sommes ici dans l'atelier moulage.
où on retrouve Soline et Mathieu. Votre deuxième partie de travail, c'est quoi ? Vous avez vu un modelage de Eric tout à l'heure. Elle arrive chez vous. Elle arrive chez nous. Donc en fait, pour prendre toutes les empreintes et tous les détails, on met plusieurs couches de silicone. Donc en fait, mais comme c'est mou, on ne peut pas couler la cire directement, sinon ça se déformerait. On fait des chapes en plâtre. C'est-à-dire qu'on solidifie ce moule en silicone par une chape de plâtre. D'accord. Parce que sinon, quand on coule la cire dedans, ouf, ça partirait et on aurait une déformation totale. On est bien d'accord, hein, tous les visages du musée Grévin, c'est de la cire. Tout à fait. Et la cire est un des rares matériaux à vraiment à avoir cette translucide de peau. Ça peut se faire aussi aujourd'hui sur la résine, mais c'est vrai qu'il y a moins cette transparence. Ça permet aussi de faire l'implantation des cheveux. On peut piquer dans la cire. Ce qu'on ne peut pas faire dans la résine. C'est beaucoup trop dur. Le reste du corps, c'est quoi ? C'est pas de la cire ? Non, c'est de la résine acrylique. Ça ressemble un peu à du plâtre, mais c'est plus solide. Les mains ? Parce que les mains, c'est important. C'est alors, quoi, comme les mains, elles sont en résine. Et pour quelle raison ? C'est trop fragile et puis il n'y a plus de barrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le visiteur, eh bien, il a la chance de se mettre à côté de la personnalité et de poser avec son meilleur sourire. Et du coup, les mains, si elles étaient en cire, il suffit de faire claque et il n'y en aurait plus. Et comment on rentre au musée Grévin ? En 2001, on a créé l'Académie Grévin. Et donc, cette Académie Grévin, eh bien, elle se réunit deux fois par an. Et ils élisent, voilà, une ou deux, parfois trois personnalités. Il y a les cheveux, après, qu'il faut implanter. Nous n'avons pas tout vu, Yvan. On n'a pas tout vu. Bonjour, Bérangère. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, là ? Vous implantez des cheveux. Exactement. Combien de cheveux en tout, là, pour la tête de ce lignac ? Beaucoup, beaucoup. Vous n'avez pas compté ? Plus de 150 000. Oui, plus de 150 000. Environ, voilà. Ce sont des vrais cheveux ? Oui, toujours cheveux naturels. Avant les cheveux, il y a eu la barbe. Là, pour le coup, c'est bien plus compliqué parce qu'il y a énormément de couleurs différentes. C'est assez fourni par endroit, beaucoup moins pour d'autres. Et là les poils de barbe, c'est pas des poils... Alors là, j'en ai. C'est du synthétique. Non. Ah bon ? Rien n'est synthétique. Donc en fait, on collecte sur c'est nos... C'est vrai, je peux me donner mes poils de barbe. Faut les laisser... Donc je serai jamais au musée. Par contre, il faut les laisser un peu pousser, mais on récupère les poils de barbe de nos collègues, parce que le poil est vraiment différent par rapport aux cheveux. Et qui le coiffe après ? Alors ensuite, ce sont les coiffeuses. Coiffeuse perruquière, Il y a combien de métiers en tout dans les ateliers du musée Grévin ? Plus d'une quinzaine. C'était une vraie découverte. À bientôt. Au revoir, merci. Il suffit à Yvan de remonter du côté du boulevard Vincent Auriol pour y retrouver Mehdi, le pape du street art à Paris. Mehdi fait venir les plus grandes stars internationales de la discipline. Le rendez-vous est pris. Sur le toit d'un immeuble, pour contempler les œuvres, un point de vue idéal. Salut Mehdi ! Bonjour Yvan, bienvenue sur les toits du 13e. Là, je connais très très bien cette œuvre-là. Tout à fait. On a fait cette grande fresque. Après, j'ai demandé donc l'original à l'artiste. Et aujourd'hui, cette toile est à l'Élysée, en effet. Et c'est là où elle joue tout son rôle. Comment ça a démarré, ce projet de faire un grand musée comme ça, à ciel ouvert ? Je cherchais des supports pour mes artistes, parce que le but, quand on est galeriste de street art, c'est pas que de vendre des œuvres d'art dans sa galerie, c'est aussi d'en exposer à l'extérieur. C'est-à-dire d'aller chercher des supports pour ces artistes. Et après, m'est venue l'idée de me concentrer seulement sur le boulevard Vincent Auriol. Le but de tout ça, c'était que chaque personne qui traverse, qui prenne le métro, traverse une expo, en fait, tout simplement. C'est quand on prend le métro et on traverse le 13e, en fait, on s'aperçoit qu'on vit quelque chose d'autre. Donc, si j'emprunte le métro entre la place d'Italie et la Seine, je vois combien d'artistes, combien d'œuvres d'art là, en tout. Pour l'instant, il y a plus de 35 œuvres et on continue à en faire d'autres, c'est pas fini. Le but, c'est que ça devienne vraiment une attraction, c'est que ça devienne vraiment l'identité du quartier et puis une identité culturelle, quoi. Comment a été fait le choix des artistes ? C'est un mouvement. Ce mouvement est totalement international grâce aux réseaux sociaux. Et le but, c'est d'attirer tous les artistes, les plus grands artistes du monde. Donc, des artistes comme Invader ou Shepard Ferré ou Atfuel, Maï, c'est les plus grands artistes du monde réellement dans ce moment. Que les grandes pointures. Et ça a été facile de les séduire, de les faire venir, de leur proposer ce projet ? Comment ça s'est passé ? C'est Paris. Quand on ramène Shepard Ferré à Paris, ça reste Paris. Tous les artistes du monde rêvent d'avoir aussi un mur dans Paris. Les gens sont fiers maintenant ?
d'avoir... sont fiers de leur quartier complètement. Ouais. Mais il y a de quoi. Hein. Et ils disent, moi j'habite dans l'immeuble où il y a telle phrase. Où il y a OB. Dès la première œuvre, c'était ça, exactement. En général, ça prend combien de temps pour faire une œuvre? Des artistes peuvent mettre une semaine, d'autres 15 jours. Mais voilà, ils prennent le temps qu'il leur faut. Le but, c'est que le résultat soit parfait. Et là, on est dans la partie où on peut effectivement découvrir ses œuvres sous le métro. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que des projets tournent à plein encore. On continue. Ah oui, totalement. Ouais. Il y a de la place, c'est devenu notre labo en fait, c'est le terrain de jeu quelque part et c'est des expériences. C'est marrant hein, ce quartier, on pourrait penser qu'il est disparate comme ça, mais il y a vraiment une vie, il se passe quelque chose. Il y a une vraie vie, il a une âme. Il y a une âme. Il y a une âme dans ce quartier, moi c'est pour rien au monde je sortirais d'ici. La station F, anciennement appelée la Halle Fraissinet, est un bâtiment impressionnant avec 310 mètres de long et 58 mètres de large. C'est le plus grand campus au monde, abritant plus de 1000 start-up installées au cœur du 13e arrondissement. Bonjour mon cher Frédéric. Je ne savais pas par où vous alliez arriver. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez ouvrir votre start-up? Oui, bah, j'aimerais bien. Peut-être un petit peu vieux, non? Oui, si vous êtes encore très jeune. Votre ouais, c'est vrai qu'on est tous des start-upers. Alors bienvenue ici devant ce bâtiment extraordinaire. Et puis en même temps, ce parvis qui nous accueille, qui accueille justement tous ces start-upers, le parvis Alan Turing. Qui est donc Alan Turing? Alors Alan Turing, c'est un Britannique, un scientifique, mathématicien, cryptologue. Et c'est lui qui va participer au décryptage de la fameuse machine Enigma, c'est vous ça, savez. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Il a en plus marqué les esprits parce qu'au tout début des années 50, il est condamné pour son homosexualité. Il accepte volontairement la castration chimique et il se suicidera suite à ses accusations. Et figurez-vous qu'il a été réhabilité il n'y a pas si longtemps, en 2013, par la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Il a fallu 100 ans pour s'apercevoir que cet homme était exceptionnel et est exceptionnel. Ça a ouvert le monde sur l'informatique et justement, c'est le lien qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur dans cette station F que je vous fais découvrir. Eh bien, on y va à l'intérieur. On y va, ça s'appelle la station F, je vous explique tout à l'intérieur. En fait, à l'origine, c'était la halle Fraissinet. Qui était donc ce monsieur Fraissinet? Alors, ingénieur des ponts et chaussées, qui a décroché un contrat absolument faramineux lancé par ce qui était l'ancêtre de la SNCF, qui voulait, à côté de la gare d'Austerlitz, placer une gare de fret. Donc, une grande halle, un centre et puis deux ailes, et qui permettaient aux camions de venir décharger les trains. Et tout ça, on en a l'idée en 1913. La guerre de 14, évidemment, empêche tous les travaux. Ça n'est qu'à partir de 1927-29 que l'ensemble est construit et va rester lié au chemin de fer jusqu'en 2006. Il a fallu attendre 2004 pour voir l'arrivée de Xavier Niel, le milliardaire qui installe ici un campus de start-up. C'est comme ça qu'on l'appelle. J'adore, Frédéric, c'est gentil de m'avoir amené de la pâte à modeler. Ah, c'est un gros paquet de pâte à modeler pour que je joue. Non, mais c'est une œuvre d'art, vous êtes fous. Ah, d'accord. C'est Jeff Koons quand même. Ah, bon, moi je vais rester là quand même, je joue avec. Bah non, venez, c'est de l'autre côté que c'est intéressant. Ah, ok. Oh, c'est incroyable ça quand même. Frédéric, là, on voit que l'ambiance est beaucoup plus studieuse. Ah, oui. Ça travaille, là. Là, c'est là le lieu de la création. Qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Alors ici, on accueille des start-up. Il y en a un millier de jeunes entreprises que l'on va coucouner, hein, parce que ces hommes et ces femmes ont pondu une idée. Donc, il y a un petit œuf, on a pondu une idée. Et puis ici, on va la développer avant de s'envoler pour, évidemment, un avenir radieux. C'est un outil incroyable. Hein. Un outil incroyable, un outil unique au monde, parce que c'est le plus gros incubateur au monde. C'est bien simple. Ah oui. Et puis, vous avez cette symbolique. Ça vous fait penser à quoi? Ah, les rails. Exactement. Exactement. D'accord. Il y a la présence du chemin de fer avec la possibilité d'attendre le train qui passe et qui ne passera jamais, à moins qu'on ne le retrouve dans le troisième bâtiment que je vais vous faire découvrir tout de suite. Il a l'air encore plus coloré, celui-ci. Vous allez voir. Donc Frédéric, il est grand le buffet de gare ici. Ah non, c'est buffet de gare parce qu'on est entre deux wagons. Ben oui. La Felicita, c'est le lieu, c'est le nom de ce restaurant. Felicita. Oui, c'est donc italien. C'est tout l'Italie, évidemment. On dit que c'est le plus grand restaurant d'Europe. Alors, c'est ce que l'on dit, effectivement, parce que plusieurs milliers de places assises
pour pouvoir déguster ces plats italiens. Alors c'est un endroit où on peut venir, il faut le rappeler. D'ailleurs, tout la station F se visite. Oui. Il suffit de prendre rendez-vous, évidemment. Oui. Mais ici, c'est public. Mais ici, c'est complètement public, effectivement. C'est ouvert au plus grand nombre. Il faut être patient parce qu'il y a souvent la queue. Bah oui, parce qu'il y a du monde et ça marche bien et c'est très bon. Yvan retrouve Camille à la Cravate Solidaire, une association qui apporte son aide aux personnes qui sont en recherche d'emploi, notamment sur le style de la tenue vestimentaire, sur des conseils, préparation aux entretiens. Bref, un véritable coaching proposé aux candidats par des bénévoles. Yvan ? Oui, c'est moi. Bonjour. Vous êtes Camille ? C'est ça, enchantée. Bienvenue à la Cravate Solidaire. Qu'est-ce que c'est exactement cette Cravate Solidaire ? Alors, la Cravate Solidaire, c'est une association qui accompagne des personnes qui vont avoir des entretiens d'embauche à passer. Et le but, c'est de pouvoir trouver la tenue qui correspond pour les entretiens, faire une simulation pour s'entraîner et on termine par une photo de CV. Pour moi, là, ça va ou pas ? Ça va, peut-être la veste. Ah oui ? Peut-être changer, oui. Mais la chemise, ça va. L'apparence, c'est essentiel. Quand même, ouais. Les recruteurs, c'est vraiment le premier truc déterminant avant même que les personnes ouvrent la bouche, finalement. And it went like... Oh, mais il y a une belle collection de cravates, là. Oui, c'est les cravates des entreprises chez qui on a fait des collectes en entreprise. Ah oui, on a PDG de Paribas, directrice de la Société Générale, on a la présidente de la RATP, qui a donné un foulard. Ah ouais. Et bienvenue dans le dressing. Ah oui, il est impressionnant le dressing. Oui. Il y a combien de pièces en tout ? La dernière fois qu'on a fait un inventaire, il y avait plus de 3000 pièces. Donc vous les habillez de la tête aux pieds, parce que je vois qu'il y a des chaussures aussi. On donne aussi des ceintures, on a des chaussettes également. Et une fois que la candidate ou le candidat est habillé, elle repart vraiment avec sa tenue. Oui, tout est donné. Donc a priori, si tout se passe bien, ils n'ont pas besoin de venir nous les rendre. C'est vraiment un cadeau pour eux, pour qu'ils puissent repartir avec les vêtements dont ils ont besoin, sans dépenser énormément d'argent aussi. Et il y a aussi des bijoux, les accessoires ? Oui, effectivement, il y a des bijoux. On a tout le côté femme. Donc, on a des vêtements, les chaussures. Il y a plus de chaussures à talons que de chaussures plates, oui, apparemment. Oui, bah dans l'idée collective, un entretien pour une femme, ça doit se passer avec des talons. Qu'est-ce que ça raconte, la tenue, quand on passe un entretien ? Qu'est-ce que ça doit dire en premier ? Le but principal pour nous, c'est de faire en sorte que la personne puisse se faire entendre, pour que l'œil du recruteur ne soit pas attiré pendant l'entretien par le vêtement, mais qu'il reste concentré sur ce que va dire le candidat. Mais est-ce qu'on peut aussi, dans sa tenue, montrer une certaine part de sa personnalité ou pas ? En fonction des postes, oui. Par exemple, on conseille beaucoup aux femmes qui veulent travailler dans la petite enfance de porter des choses colorées, puisqu'elles vont travailler avec des enfants. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on a une candidate qui est de l'autre côté du dressing, qui nous attend et qui est en train de se faire accompagner par une bénévole coach en image. Ah, on va la rejoindre alors. Allez. Déborah, bénévole coach en images. Bonjour. Et Faline, une candidate. Bonjour. Ah bah vous êtes déjà en tenue. Oui, presque. Presque, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste le choix de la veste. Donc ce qui pourrait aller, c'est soit le modèle qui est fait pour aller avec le pantalon, okay, ou une veste rouge. Donc c'est le modèle dans lequel tu te sentiras le plus à l'aise pour passer l'entretien. And it went like... L'idée d'aller faire un entretien comme ça, ça change quelque chose dans toi, déjà, dans ta tête, dans la façon de te comporter. Bah, j'ai l'impression d'être plus apprêtée pour aller passer un entretien. Il y a la séance photo, là ? Oui, effectivement, au fond du local, on a un petit studio photo où je vais pouvoir prendre Faline en photo après son entretien pour qu'elle puisse repartir avec une photo de CV. Bah, je vous laisse parce qu'après, il y a l'entretien, là. Il y a deux bénévoles en ressources humaines qui sont en train de l'attendre, qui ont relu son CV et qui vont pouvoir lui poser quelques questions et faire une simulation d'entretien pour se préparer, pour trouver ton alternance, du coup. Ouais, y a un joli mur d'images, là. C'est nos candidats. On a accompagné plus de 1200 personnes en 2019. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous seriez une bonne candidate pour ce type d'alternance? Je pense que j'ai les qualités requises pour ça. Je pense que je suis très curieuse, j'ai la volonté d'apprendre et je pense que je suis quelqu'un de dynamique et ponctuel, donc aussi très important pour ce secteur. Je vous vois opiner du chef, là, comme ça. Ouais, elle est parfaite. Quoi. Parfaite, ouais, trop parfaite. Ouais, trop, presque trop. On se disait, qu'est-ce déjà, qu'on fait là, quoi, on sait. Déjà, une réaction sur la tenue, sur l'apparence. On est dans des teintes de couleurs chaleureuses, donc qui donnent aussi envie de vendre, hein, finalement. Elle paraît
prête à l'emploi. Donc c'est quand même très positif pour elle, pour nous. On n'est pas en train de se demander est-ce qu'elle sera professionnelle face aux clients. J'ai une modeste contribution à vous faire, une cravate. Bah, merci beaucoup. À l'époque, j'étais présentateur du journal, j'en ai plus besoin maintenant dans la rue, j'ai plutôt des baskets. Pour marcher, c'est plus facile. Rendez-vous place nationale. Yvan y retrouve Aïgo et Arakel, tous deux frères. Ils ont repris l'affaire familiale et sont installés dans le quartier depuis 1970. Salut Aïgo. Salut Yvan. Ça va? Ouais, on est debout. C'est incroyable ce lieu. Eh ben ouais, c'est une maison de famille. On travaille depuis 50 ans avec mon frère et nos épouses. Ça n'existe plus des endroits comme ça? Non, quand on a construit ici il y a 32 ans, on a construit une maison avec un toit comme les églises grégoriennes. Et après, tout ça, c'est quoi? C'est de la Chine? C'est du brick de... Non, tout ça, pour le coup, c'est pas un concept du tout et c'est la vie qui l'a emmené. Par exemple, on a deux pianos. Il y en a un qui est quand même là pour une bonne raison. C'est parce qu'une dame qui habite à côté, quand sa maman a disparu, elle a dit, est-ce que je pourrais vous donner le piano de ma maman? Parce que quand je passe, comme ça, je le verrai tous les jours. Donc ça veut dire que ici, pour les gens du quartier, c'est un repère. C'est un quartier tout à fait fraternel, le 13e, et encore plus ce quartier de la gare, qui est un quartier un peu moins connu. C'est un peu le Paris d'avant, dans une modernité un peu architecturale, un peu moderne, mais tout fait qu'on s'entend bien. Alors c'est un bar? C'est aussi surtout un restaurant. Et c'est surtout un restaurant, Avec mon frère qui fait à manger. Vous allez voir, on fait beaucoup d'entrecôtes du monde entier, des viandes d'Argentine, des États-Unis, des viandes de Nouvelle-Zélande, génial. Ouais, on n'est pas vegan ici. Hein. Ouais, on n'est pas vegan. Et comme notre maman était arménienne, quand il y a quelqu'un qui est vraiment qui a peur de la viande, une de nos entrées, c'est l'assiette arménienne avec des taramas, du poivron farci, des choses comme ça. Et pour le coup, ça peut faire bien usage. Alors explique-moi cette famille, parce que du côté de la maman arménienne, du côté du papa? Corrézien. Corrézien. La femme de mon frère, elle est mexicaine. Et ma femme, à moi, elle est néerlandaise. Waouh, joli mélange tout ça. On va le voir le... Allez, mon frère, bon gars, un héros. Beaucoup d'entrecôtes avec un bon mélange de viande où les gens partagent et ils se retrouvent toujours un peu dans la fraternité de la viande. Mais mon frère, il a inventé un super boudin noir entillé avec des goûts particuliers. Moi, le boudin, je le connais avec des pommes, de la purée. Je me suis dit un jour que le boudin antillé, c'était bon, mais je le trouvais plus intéressant de le faire avec de la mangue, de la banane, de l'ananas frais. De la mangue confite, du gingembre, de la papaye. Alors, c'est quoi la recette exactement? Alors voilà, je vais le faire partir. Un peu d'ananas, un peu de mangue avec une banane. Et le petit boudin entillé, de la coco, du gingembre confit, un peu de papaye confit, des fruits secs, un peu de sucre, voilà, de l'eau, pour que ça éclate pas et que ça passe caramélisé. À l'origine, la base, quand même, c'est la cuisine coréenne. La cuisine de notre restaurant, c'est la viande. Mais ce plat-là, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, et puis j'ai beaucoup aimé le faire. Ça me représente beaucoup plus. Alors, c'est la rondeur de mon corps et de mon esprit, peut-être. Là, tu vas flamber. Flamber avec du rhum, à la passion. Ça, c'est le petit plus. Quand on écoute bien, ça chante. Ça chante. Il n'y a plus qu'à le passer à table et manger, messieurs. Ah oui. C'est une merveille. Ouais, bravo Raquel. Merci d'être venu dans notre quartier. En tout cas, les garçons, c'est un quartier qui vous donne la banane. Merci beaucoup. Hein? Et justement, à propos de banane, on va terminer ce plat. Ok. Qui s'appelle comment? Alors, c'est un boudin caribéen. Voilà. Merci beaucoup, les garçons. On va se quitter ici. On va terminer cette balade chez vous.
J'espère que vous avez aimé ce quartier, que vous avez appris plein de choses, que vous avez envie de découvrir. Vous pouvez aussi voir ou revoir cette émission sur notre site internet francetv.fr. Vous pouvez aussi venir me parler sur les réseaux sociaux. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Salut les amis, nous on termine, hein, puis on Merci. Boit un coup quand même, avec bon modération appétit, évidemment. À la vôtre. Allez, santé voilà. Et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Ce ne sont pas des princes, ce sont des wagons qui évidemment font partie du décor. Non, on va s'asseoir. Non mais ça va pas le faire, il n'y a personne pour les guider. Donc séquence Atelier Grevin, première. Véronique. Oui. Bonjour Yvan, je suis au costume. C'est un... Alors, midi, métro. Cinquième. Je te propose qu'on aille voir Saint-Nicole. Attends, je pensais qu'on allait rester sur place, en fait. Alors, Musée Grévin, atelier couture, deuxième. C'est où, là ? On est doucement en rentrant. Alors, on va trop vite, hein. Ouais, on va trop vite, en fait. Ouais. On va trop vite. Peut-être leur faire un peu plus... Ouais, et puis peut-être plus fluide. Moi,